Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage du jour avec l'encromancie et puis je viendrai avec le tarot de Marseille pour compléter si besoin en fin de tirage. On y va pour les énergies de ce vendredi, c'est le 15 octobre et puis l'ange du jour c'est Araël et il vient ici nous parler d'idées. Donc gardez un petit peu vos radars en éveil parce que ce vendredi j'ai l'impression qu'on va vous insuffler certaines idées pour que vous puissiez avancer ou alors ces idées ce seront peut-être des réponses. J'espère que ça n'a pas trop collé, ça fait j'ai un affaire un petit moment. Oh non, ça va bien, cool. Allez, on va juste laisser attendre un petit peu que ça sèche. On voit plusieurs choses hein. Ici, comme si il y avait une protection qui était sur vous durant cette journée. On n'est pas seul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 6. Et on nous parle ici d'idées. Hein. Donc, peut-être que durant cette journée, vous alliez être propice à des idées nouvelles. D'accord? Vu qu'on nous parle d'idées. Qu'elles nous sont un petit peu insoufflées, eh bien, j'ai l'impression que c'est pour vous faire sortir peut-être d'une impasse dans laquelle vous êtes, d'accord? Donc, prêtez un petit peu attention. Il y en a encore deux là. Ok. Ça se redessine un peu mieux. Je vais juste regarder de l'autre côté. Il y a autre chose. Alors bon, si on commence un petit peu comme ça, sur le plan ici de vos énergies par rapport à votre santé, on voit que on essaye un petit peu de se poser. Peut-être que c'est ça que qui va vous être demandé pour ce vendredi, de vous poser un petit peu, hein, de rester un petit peu tranquille. Si on regarde un petit peu tous ces points, on a l'impression que c'est une protection un petit peu angélique qui est là. Je dis un petit peu parce qu'on est dans du général, donc je peux pas être précise, d'accord? Mais voilà, je peux donner un petit peu l'impulsion. Et l'impulsion, c'est que on a une protection de l'autre côté du voile, d'accord, qui est là, qui est présente et qui vient un petit peu vous aider à passer peut-être un cap qui vous est compliqué par rapport à vos énergies, peut-être des douleurs. On voit ici qu'il y a une personne un petit peu assise et qui n'ose pas tellement bouger parce que peut-être qu'il y a des petits bobos qui t'empêchent de bouger un petit peu comme tu l'aimerais. On continue. Si on regarde, on a un petit peu, ben, le noir, c'est tout ce qui prédomine sur le plan professionnel, d'accord, par rapport aux couleurs. Et on voit que ce plan professionnel, eh bien, il englobe les énergies. Donc, est-ce que tu n'es pas en train de te submerger de travail? Est-ce qu'il n'y a pas trop de pression au niveau professionnel qui fasse que tu es un petit peu... HS, hein, tu fatigues, tu commences vraiment à avoir un petit peu trop et puis ton corps te le fait sentir. Donc si c'est le cas, s'il te plaît, fais attention. On peut regarder que peut-être qu'il est nécessaire ici de te faire un soin, hein, un soin énergétique, à toi de voir ce qui t'appelle, d'accord? Ça, il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est vital pour toi, ce qui est nécessaire. Et on voit que de ça, on a une clé. Si on regarde, on a l'impression que c'est une ouverture pour une clé. Et le visage, ces deux visages ici, comme s'ils étaient en train de bouffer, de manger, je m'excuse du terme, mais c'est exactement ça. Donc moi, ça me réconforte dans le sens où actuellement, ben, tu es peut-être trop pris dans ton domaine professionnel, tu es fatigué et tu te sens un petit peu happé par ça et tes énergies sont vraiment fatiguées. Ça veut dire que tu es dans un excès de fatigue, peut-être physique ou morale. Et puis, il serait nécessaire de te faire un soin pour que tu puisses un petit peu reprendre du poil de la bête, entre guillemets. Après, c'est clair qu'il faut aller voir son médecin parce qu'on a un corps physique et un corps spirituel. Et les deux doivent être en parfaite harmonie pour qu'on puisse toujours aller au mieux dans son avancée physique. Donc, prenez conscience un petit peu de ça. Sur un plan sentimental, est-ce que j'aurai un message ici à vous transmettre? Alors,
je ne vois rien là. Sur un plan sentimental, et c'est impressionnant comme ça a changé, hein. Sur un plan sentimental, j'ai l'impression qu'il y a une obligation. On vous oblige peut-être, tu te sens peut-être obligé dans une relation sentimentale. D'accord? Donc, j'ai l'impression qu'on t'oblige à rester ouvert. Tu te sens dans l'obligation de rester, peut-être avec une personne ou d'aimer cette personne, mais on ne peut pas obliger d'aimer quelqu'un. D'accord? Ça, c'est très important aussi. J'ai l'impression qu'actuellement, sur un plan sentimental, vous vous sentez un petit peu enchaîné. On voit un petit peu hein, ça. On pourrait représenter ça un petit peu comme des chaînes où on ne te laisse pas, on te laisse pas enlacer, serrer, comme si tu n'avais pas le droit d'aimer, d'accord? Ou pas le droit d'aller vers quelqu'un parce que bah, ça ne rentre pas dans le catalogue familial hein, ou selon le besoin qui est demandé. Mais si on regarde aussi, on pourrait voir qu'on t'empêche ou d'aimer. Ou alors on t'empêche d'agir, peut-être de partir aussi, hein, c'est aussi possible. Ces chaînes, elles ont un double sens, d'accord? Donc on est dans ça. Si on regarde ici, on pourrait regarder un petit peu le livre, hein, mais ce livre, il est ici sur la partie un petit peu pulmonaire, un petit peu de la du poitrail, la poitrine. Donc j'ai l'impression que on vous empêche, comme si on vous a mis un corset, hein, où on empêche ton cœur d'aimer, où on l'empêche de s'épanouir, où on l'empêche de battre, d'accord? Donc on est dans du sentimental, encore une fois, à vous de voir un petit peu en quoi ça vous parle. Est-ce qu'il y aurait autre chose à ce niveau-là? Ici, j'ai l'impression que votre... Alors, il y a peut-être un désir profond d'avoir un enfant, d'accord? Et puis que cet enfant, eh bien, cette grossesse, elle n'arrive pas à... Elle n'aboutisse pas. C'est aussi possible. Donc, peut-être qu'il y a un travail différent que physique, hein. Si votre médecin vous dit que tout va bien et puis que ben, ça n'arrive toujours pas, il faudrait peut-être regarder si c'est pas en lien avec, avec les énergies, peut-être en lien avec une loyauté familiale ou autre chose, hein. Donc je vous invite à vous guider vers ça si jamais vous sentez visé à ce niveau-là. C'est assez particulier, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être un IRM ou alors une mammographie, quelque chose qui va être fait. C'est comme si j'avais les résultats, entre guillemets, mais je ne sais pas les lire hein, parce que voilà, je ne suis pas médecin. Mais j'ai l'impression qu'il y a une mammographie, quelque chose comme ça, qui va devoir être analysé par un spécialiste. Ou alors peut-être vu qu'on est ici au niveau de la poitrine, est-ce que c'est aussi pulmonaire? Est-ce qu'il y a des examens autres à faire? D'accord? Pour justement regarder. Si on regarde, c'est très angélique, hein, d'accord? Malgré l'ambiguïté qu'on soit dans la peur d'eux, je ne vois pas de souci. Mais je ne suis pas médecin, encore une fois. J'interprète ce que je vois. Si on regarde ici, on voit qu'on est dans un rayonnement mais magnifique parce que moi je le vois et vous le voyez aussi. On voit un petit peu comme si c'était un ange qui avait un petit peu juste ses ailes, un poil, un chouïa ouvert. Il n'y a pas besoin qu'elles soient ouvertes énormes, mais elles sont juste un petit peu comme si elles étaient relaxes. Posez tranquille, hein, pas fermé à l'arrière, non, tranquille, relax, un petit peu comme si c'était pour te dire, on est là, je suis là, hein, suis-nous, tout va bien se passer, je veille sur toi, ne t'inquiète pas, je rayonne pour toi. Donc, on est vraiment dans cette protection angélique pour cette journée. Et puis, on est ici tout entouré et je veux vraiment que vous preniez conscience de ça, un petit peu comme un lotus qui s'ouvre. Donc, je vous laisse aller regarder la signification du lotus. Il faut que je la note, sinon je l'oublie. Parce que j'oublie toujours quand je fais ça. Et j'aime pas reprendre les vidéos après, parce qu'il est dit.
un petit peu comme cette fleur de lotus où on rayonne. Ça m'amène aussi à cette déesse, c'est hindou, je sais pas, où il y a toutes ces mains là, il y a plusieurs mains qui sortent. Je sais pas comment ça s'appelle, hein, je suis désolée. Mais je pense que vous pouvez comprendre et on vient peut-être, il y a peut-être un symbole de cette déesse-là à aller regarder aussi, d'accord? Je vous fais travailler, mais c'est pour votre bien parce que vous devez aller chercher des messages par vous-même. C'est trop facile d'appuyer sur un bouton et d'écouter et de prendre seulement ce qui nous appartient. Des fois, il faut aussi faire des recherches parce que on lâche prise aussi sur du passé, hein, d'accord? Et on peut comprendre certaines choses, certains parcours qu'on a fait seulement en lisant des fois en atterrissant sur des messages qu'on serait pas allé chercher par nous-mêmes quoi. D'accord? Donc, on a cette protection qui est là. Donc, j'ai l'impression aussi qu'on vous apporte certaines choses aujourd'hui. D'où les idées. Donc, voilà, c'est clair. D'accord? On est dans ce rayonnement, dans cette protection, vraiment, vraiment. Dans cette abondance, hein, je vais l'appeler comme ça parce que c'est exactement ça. Et si on regarde comme ça, on dirait une coupe, joie, contentement, bonheur, hein, plénitude. D'accord? La coupe, c'est tout ce qui est en lien avec le partage, avec les idées de collaboration. Parce que pour moi, quand je le représente comme ça, quand on est autour ou de la table ou avec un verre à la main, c'est quand on exprime ses idées, ses ressentis, ses émotions sans aucune ambiguïté. On n'a pas peur, on est en train de partager un moment agréable. Moi, je l'entends comme ça, d'accord? Et c'est comme ça que ça résonne chez moi. Et j'ai l'impression que pour vous, ça va être aussi la même chose. Aujourd'hui, petite pousse, que vous me croyez pas, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau, mais assez fort, assez conséquent, qui se présente à vous. D'accord? Alors, j'utilise pas les bons termes, hein? J'ai peut-être pas une, je suis pas assez, voilà, j'ai peut-être pas assez de vocabulaire pour vous donner les bons termes, mais je m'exprime un petit peu avec ma simplicité. J'espère que vous le comprenez. Mais sachez, petite pousse, qu'ici il y a vraiment de la joie, du contentement, du bonheur qui vient, qui s'offre à vous. D'accord? On est dans un rayonnement assez spécial durant cette journée. Donc accueillez ce qui vient, parce que non seulement vous êtes protégé, il y a des idées qui vous viennent. Prenez-les. Notez-les, essayez d'y accéder, d'accord? Parce que tu dois aussi te mettre en mouvement. Hein? La baguette magique, la magie, c'est toi, et la baguette aussi, c'est toi. Eux, ils vont juste faire accéder à cette magie, d'accord? Mais c'est toi qui as tout ce pouvoir en toi. Les anges, les guides, pour ceux qui croient, hein, ceux qui sont partis de l'autre côté du voile, ils vous protègent, ils sont là, ils vont vous donner les opportunités d'eux, d'accord? Mais c'est toi qui dois te mettre en mouvement. Ils peuvent t'insuffler des idées, ils peuvent te faire aller vers quelqu'un, entamer une discussion, écouter un message qui va te faire comprendre. Mais si toi, tu ne te mets pas en mouvement, eh bien, rien de tout ça arrive. C'est toi la baguette magique. Et c'est toi qui as la magie en toi pour ouvrir, pour accéder à ce dont tu as besoin. Ici, si on regarde, on a un petit peu. C'est assez particulier parce que là, on est vraiment dans le rayonnement. Elle est magnifique, cette carte. On est dans un rayonnement magnifique. Et si on regarde, un petit peu comme s'il y avait le positif, et de ce côté, il y a un petit peu le négatif. Mais le négatif, il est pas négatif, loin de là. Parce que souvent, ça c'est nous, humains, qu'on dit, voilà, c'est pesant, oui, c'est lourd. Parce que ben, on n'est pas content, on est un petit peu pesant, d'accord? Mais si on regarde ici, c'est un petit peu comme si c'était les pinces du. Ah, la pince du scorpion,
D'accord. Donc, le scorpion, c'est quoi? C'est une carapace. Ça veut dire qu'il pique, hein, parce qu'il se sent attaqué, mais sinon, ben, il vit sa life. D'accord. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose ici à lâcher. Je vais dire lâcher parce que quand le scorpion, il pique, c'est... Je parle par rapport à l'animal, à la bestiole. Si le scorpion il pique, c'est pour tuer, hein? Il a ce venin, d'accord? Et on vous dit ici d'aller justement. Tu as la possibilité. C'est là que j'en reviens. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Que j'en reviens à travers peut-être des loyautés familiales, des loyautés peut-être spirituelles ou autre chose. Mais là, petite pousse, peut-être que on vient te faire comprendre que tu es en, tu te piques, hein, tu te tues à chaque fois face à une situation, hein, tu recommences toujours la même chose parce que ça n'a pas été travaillé. Donc, il y a des choses que toi seul peux accéder pour couper ce schéma, pour couper ce lien, pour le comprendre. Quand je dis couper, c'est le comprendre. C'est pas aller demander à Mamadou, je n'en sais rien, ou à un chaman de couper un lien. Ça ne va, ça va peut-être couper pendant un petit moment parce que voilà, tu vas avoir l'impression d'être libéré. Ça va te revenir à la figure, mais encore plus vite que tu le penses. Tant que tu n'as pas été par toi-même accéder à ça et le travailler, le conscientiser, le comprendre et le lâcher, toi, hein, ça sert à rien. C'est comme un travail, c'est toi qui dois le faire, c'est pas les autres qui doivent le faire à ta place. C'est exactement la même chose. Et là, tu dois par toi-même, avec l'aide, oui, d'un chaman, d'un thérapeute et tout ça, accéder à cette loyauté pour comprendre que de un, ça ne t'appartient pas, que de deux, tu mérites autre chose, tu as décidé de faire autre chose, d'accord? Après, je suis pas experte dans ça, d'accord? Mais je vous demande d'aller voir quelqu'un qui peut vous aider à vous détacher d'une lourdeur passée qui ne t'appartient pas. Un petit peu comme si c'était, attention à ce que je vais dire, hein, ne le prenez pas comme du pur, du vrai, hein, mais on a l'ange et puis l'ange, voilà, lumière, et puis on a l'ange démon. Alors, quand je dis l'ange démon, c'est comme si je vous prends la carte du diable. La carte du diable, c'est ton toi intérieur, hein, c'est cette peur d'eux, d'accord? Cette domination, cette méchanceté qu'on a un petit peu entre nous. Et j'ai à l'intérieur de nous, moi je suis la première, hein, moi je suis assez méchante hein, quand je m'y mets. Hein, donc, faut être aussi honnête. Hein, mais j'ai l'impression qu'ici, vous devez vous détacher, mais vraiment rompre, couper des liens. De noirceur, de méchanceté, de rancœur qui ne t'appartiennent pas, quoi. Je ne sais pas si tu arrives à me suivre, mais pour ceux qui me comprennent, je pense que ça résonne intérieurement. D'accord? Moi, je peux comprendre. Parce que autant j'ai une protection angélique et autant j'ai l'impression que mon yang. J'ai l'impression qu'il domine un peu trop. Tu comprends? Donc, il y a un équilibre ici à mettre en place. Les deux sont vitales, d'accord? On a besoin du pôle positif et du pôle négatif pour être en harmonie. On est dans une vie physique, hein, faut arrêter, hein. Faut pas vivre toujours en haut, c'est pas possible. Mais sinon, à quoi bon venir? Mais on doit ici équilibrer les choses, d'accord? Quand on voit un petit peu ses ailes un petit peu sombres, d'accord? Ça me fait aussi penser qu'il y a une domination. Tu te sens dominé par quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre, que tu n'arrives pas à t'en détacher. À ce moment-là, eh bien, on cherche thérapeute, chaman. Moi, je vous conseille plus à aller vers des chamans si vous vous sentez un petit peu comme ça, parce que eux, ils ont vraiment tout le panel pour pouvoir accéder, vous aider à accéder aux besoins pour que vous puissiez laver vos ailes, en fait. Entre guillemets, j'aime bien l'entendre comme ça.
Parce que pour avoir des pics comme ça, il faut croire que tu en as ramassé. Parce qu'on ne devient pas, on n'a pas, on n'est pas dans ce yin et dans ce yang, on ne peut pas tourner positif, négatif comme ça, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne t'appartient pas, qui doit être travaillé. D'accord? Je suis désolée, hein, je m'attarde là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il faut que ce soit donné. Peut-être un lâcher prise. Hein. Je ne sais pas si vous avez des soucis de bassin. Parce que c'est peut-être ça aussi. Hein. Le bassin représente aussi, ben, pour la femme, c'est accoucher. Mais le bassin, c'est aussi ben, bouger, se mouvoir. D'accord? Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en lien aussi avec les... Pas les reins, parce que ça serait un petit peu plus haut. Mais voilà, peut-être avec tout ce qui touche au bas-ventre. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses, peut-être le foie hein, aussi, hein, la rate. Il y a peut-être des choses ici à faire un petit check-up. Ça serait peut-être nécessaire. D'accord? Il n'y a que le médecin qui va pouvoir vous dire s'il y a un souci. Hein. Mais je pense qu'on doit être tranquille sur un plan physique, d'accord, pour après aller travailler sur un plan spirituel. Comme ça, ben, si tu vas vers ton thérapeute ou vers ton chaman, tu dis, écoute, j'ai fait le check-up, tout va bien. Par contre, moi, il y a un truc qui joue pas, j'ai besoin que tu m'aides. Et c'est là qu'on entame la recherche, en fait. Enfin, qu'ils entament, je sais pas comment ils travaillent, chacun travaille un petit peu. Donc je pense que j'ai tout dit. J'ai encore juste vous la montrer parce qu'elle est magnifique. Sincèrement, elle est belle. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est beau. Encore un message. Il se pourrait que quelqu'un apprenne que il y a un heureux événement qui arrive dans la famille dans 9 mois. Mais j'ai l'impression qu'il y a un retard et puis que enfin ça arrive, comme si c'était une bénédiction. C'est assez particulier, d'accord? Déjà que c'est une pisseuse. Il y a deux trucs, mais j'arrive pas à comprendre. Est-ce que j'arrive à vous montrer? Là et là, il y a deux personnes qui se regardent. Moi, j'entends ça. C'est comme si vous aviez vécu quelque chose. Puis là, je peux comprendre. C'est comme si vous aviez vécu quelque chose qui vous a coupé en deux. Ça a été tellement un tiraillement. Et puis, je pense que c'est ça. Vous devez peut-être, pour certains, avoir une impression qu'il vous manque une moitié de vous, qu'il vous manque quelque chose. Un petit peu comme si votre âme, il s'était coupé en deux. Abstraction, c'est comme si, pas coupé en deux, c'est comme si une partie de votre âme était dans l'ombre. Et tu sens qu'il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui joue pas. Comme si tu avais omis quelque chose. Abstraction. Et pour ça, il faut qu'il y ait un choc fort. Donc, on me montre comme ça. Revenir un petit peu. Enfin, tout le monde est là, quoi. Là, je peux comprendre ce qui a été donné ici.
Je vais laisser comme ça parce que c'est tellement joli. Allez, on y va avec les 26 arcanes du tarot. J'ai pris les 22 arcanes majeures et puis j'ai pris les 4 as. Des familles en fait. Donc, on a ici l'impératrice, le diable et le monde. On voit très clairement, je vous ai parlé du diable et il ressort là. Hein. Donc, le diable, c'est quoi? C'est la domination. C'est un petit peu le côté obscur de la force. On est dans Star Wars. On a perdu Suzanne. Non, je blague. Ça veut dire que très clairement, il y a des choses peut-être qu'on t'a fait croire, qu'on t'a fait comprendre et tu te rends compte qu'en fait, ça résonne plus avec toi. Parce que tu te réveilles très clairement. L'impératrice, ici, si on regarde, eh bien, c'est que tu t'arrives à une phase de ta vie où tu prends conscience de qui tu es, de ce que tu veux. Tu as aussi une connaissance plus épanouie, d'accord, qu'à l'époque. Et puis, tu prends conscience que l'envie, tes désirs, ce que tu as envie profondément d'acquérir et d'accéder, d'accord, eh bien, ils ne sont plus en accord. Si tu restes, je vais utiliser un terme, mais ce n'est pas encore celui-là, hein, que si tu restes dans ta doctrine, entre guillemets, eh bien, tu te rends compte que tu ne vas pas accéder à tes objectifs. Parce qu'il y a tout qui est en désaccord avec ton envie profonde. L'envie profonde, c'est de t'épanouir, de t'ouvrir au monde, parce que c'est ça qui vient, d'accord? La carte du monde, c'est la possibilité de. C'est tu rêves, tu vas y accéder, très clairement, d'accord? L'impératrice, eh bien, elle prend conscience, c'est toi, tu es là en tant qu'impératrice masculin, la même chose, d'accord? Ça veut dire que. Tu as la connaissance, tu as la compétence, tu as la carrure, d'accord? Mais tu ne te mets pas encore en mouvement. Comme si tu attendais, comment je peux dire? Tu ne vas pas te salir. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que tu vas attendre sagement un petit peu que les choses elles passent, voir si c'est vraiment ça. Et moi, je vais te dire une chose. C'est que toi, en tant qu'impératrice, on est dans du tirage général. Donc, je pourrais aussi l'interpréter en tant qu'empereur pour vous les âmes, mais c'est pas la même signification. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que pour une fois, tu vas devoir aller travailler sur quelque chose que tu n'as pas envie, d'accord? Pour que tu puisses t'en libérer. Et de ça, tu vas pouvoir après entreprendre les démarches pour accéder à ce que tu désires. L'impératrice, elle a du monde qui travaille pour elle, d'accord? Donc, tu as cette possibilité de. Comment je peux dire ça? Tu as la possibilité de demander aux énergies qui t'entourent, entre guillemets, de t'ouvrir certaines portes sans que tu bouges le petit doigt. D'accord? Mais arrivé à un moment, t'as beau avoir cette opportunité, on arrive face à une muraille que ben, il n'y a que toi qui peux l'ouvrir par tes propres moyens. D'accord? Et c'est là que l'impératrice, elle vient jouer le rôle. C'est là que toi, tu vas devoir te lever de ta chaise, hein, et puis aller travailler sur une loyauté familiale. D'accord? Une loyauté peut-être sentimentale qui ne t'appartient pas. Hein, quelque chose qui t'empêche d'avancer, d'accéder au monde que tu désires tant. D'accéder à tes rêves, à ta concrétisation. D'accord? Ce rêve de petite fille, de petit garçon que tu avais, et là actuellement tu dis, mais nom de bleu, j'avais tout pour bien faire et j'en suis pas là, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que j'ai merdé, entre guillemets? Et des fois, ben, en cherchant dans le passé, c'est pas du jour au lendemain, hein, mais en cherchant dans le passé, en cherchant aussi dans la famille, on comprend que ben, tu as reproduit quelque chose qui ne t'appartenait pas. D'accord? C'est assez particulier, hein. On a le soleil, la roue tourne. Donc, j'ai l'impression que
Très clairement aussi, vous êtes dominé par une personne supérieure à vous, d'accord? Ça peut être un boss, ça peut être un maman, une maman, un papa, d'accord? Quelqu'un, une grand-mère, un grand-père, on est dans du général. Mais j'ai l'impression que tu prends conscience que ces personnes-là ne sont pas tellement favorables pour toi, t'empêchent hein, de naître, de concrétiser tes désirs, tes rêves, d'accord? Parce que ces personnes ne voient pas la même chose que toi. Ils sont encore un petit peu dans l'époque, entre guillemets. Ça veut dire que ces gens n'ont peut-être pas évolué avec leur temps, étant donné une doctrine, mais c'était leur façon. Pour eux, c'était le juste, hein. Chacun fait du mieux qu'il peut, hein. Tu peux même, toi qui es papa ou maman, qu'est-ce que tu fais pour tes enfants? T'essayes de faire mieux que tes parents, et puis tu essaies quand même de donner une éducation, parce que tu as quand même peur de certaines choses, et tu inculques inconsciemment, tu inculques certaines peurs, alors tu empêches d'eux, d'accord? Mais voilà, vis-à-vis de ça, j'ai l'impression que tu prends conscience que, eh bien, les choses, elles doivent changer, et qui dit ici le diable, c'est pas que de la négation, faut arrêter de voir la négation parce qu'on est tous négatifs durant la journée aussi, d'accord? On a tous ce petit diable qui vient, qui sort un petit peu durant la journée, hein, celui qui est pas content, celui qui crie, celui qui hurle et puis celui qui fait une connerie, voilà, ça c'est le petit démon qui remonte, hein. Mais vis-à-vis de ça, eh bien vous allez vous en détacher, mais vous allez vous en détacher en pleine conscience. D'accord? Ce qui veut dire, c'est que vous allez en discuter en toute sincérité, vous allez mettre carte sur table et de là, eh bien, vous fermez une porte et vous allez en ouvrir une autre. On n'oublie pas qu'on est dans l'abondance durant cette journée, dans l'épanouissement, dans la protection. Donc, j'ai l'impression que vous allez vous détacher, vous libérer de peur, des peurs que vous avez, mais vous allez aussi vous libérer peut-être d'une parole. Vous allez peut-être, eh bien, dire, écoute, ça ne m'appartient pas, j'en ai plus rien à faire de ça. Et puis, c'est ta façon de voir, c'est ta façon de penser, mais ce n'est pas la mienne. Est-ce que tu peux comprendre? Et de là, on a le monde, l'opportunité, les possibilités, la roue de fortune. Il y a quelque chose qui se met en route, il y a un mécanisme. Tu changes quelque chose de favorable parce que le soleil représente la concrétisation, l'abondance. Un petit peu ici comme la coupe, comme ici la coupe qui brille, eh bien c'est exactement ça en fait. Je pourrais même mettre cette carte-là, c'est le rayonnement. Et aujourd'hui, vous allez, la lumière, elle va rayonner dans la noirceur dans laquelle vous avez été. Qui dit on est dans du général, donc c'est propre à chacun de vous. Mais si on vit une difficulté, eh bien aujourd'hui, elle va être comblée de lumière, très clairement. Et c'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter, sincèrement. Donc voilà un petit peu les énergies pour ce jeudi, pour ce vendredi, pardon. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Je vous embrasse les petites pousses. Prenez soin de vous. Encore une fois, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour dans ma page Facebook du centre où là il y a un tirage qui est posé aussi tout, qui est posté tous les jours pour vous, différent. Et puis sur ma page TikTok et bien sûr sur Instagram. Et bien sûr, je vous invite aussi à vous abonner si le cœur vous en dit quand vous passez par là. Allez, je vous embrasse.